où il avait servi d'avion d'entraînement. Et donc, il était vendu à l'époque comme avion école, comme avion de formation. Et le problème, c'était dit que si quelqu'un comme Adrien Bolland pouvait montrer que cet avion était pilotable par une frêle de l'avion, bien, ma foi, ça aiderait à vendre les avions. Et Adrien avait une autre idée, il a dit qu'il montrait qu'en plus qu'une femme pouvait faire des trucs extraordinaires en avion. Et donc, elle avait tout simplement décidé d'être la première femme. Cathy Temer.